partage un petit peu ce qui vient d'être précisé par Stéphanie Dadi. Dire également de manière liminaire que je lui accorde non seulement mon affection, ma confiance et surtout mon soutien. Bon, moi, je vais vous raconter une histoire très brève. Hein. J'ai rencontré le 19 mars 2018 le premier adjoint de la ville de Tarbes, qui est accessoirement au président de la Chambre de commerce, hein, qui au cours d'un café, un café croissant à 7h du matin, qui est également adhérent de la République en Marche, hein, m'a expliqué de manière très ferme que la seule possibilité pour la République en Marche était de trouver un accord avec le maire de Tarbes. Alors, j'avais répondu que compte tenu des critères et des valeurs que porte le mouvement, en parlant des critères, on est quand même un peu porté sur tout ce qui touche à l'exemplarité, au renouvellement des visages et des pratiques, sur la durée des mandats dans le temps qui passer 3 mandats nous paraît un peu exagéré, je lui ai répondu que ce ne serait certainement pas la voie qui serait choisie. Donc, conclusion, il m'a dit que si la République en Marche présentait une liste à Tarbes, je reprends ces termes, il l'écraserait. Alors, venant de l'adhérent, j'ai pas très bien vécu son propos, mais je l'ai remercié pour le café et les croissants, je suis parti. De ce jour-là, des manœuvres de pression n'ont pas cessé pour faire en sorte que cette tentative de constitution de la liste échoue. Ça a failli réussir. Notre présence ici témoigne du fait que la manœuvre échoue. En fait, l'idée c'était quoi? L'idée c'était d'organiser l'élection avec des candidats choisis ou souhaités, hein, de telle sorte que le monde reste le monde qu'on connaissait et que rien ne change. Alors effectivement, la candidature de Pierre Lagonel est une bénédiction pour le maire sortant. La fonction de Pierre Lagonel est uniquement celle de faire valoir, et il est là pour faire réélire Gérard Clémence. Donc, on a refusé de rentrer dans ce schéma. Il faut dire que le député Saint-Pastou s'est employé avec toute l'énergie qu'on lui connaît pour distribuer, envoyer l'ancien référent sur la liste de Gérard Temer, en le recommandant, pour faire prospérer la candidature de notre ami Pierre Lagonel, dans le but que je viens de vous annoncer à l'instant. Voilà. Voilà très rapidement un peu l'histoire. Je fais toute confiance à Stéphanie parce que je sais qu'elle a l'épaisseur, la stature, les convictions, l'envie et l'énergie pour porter une liste de renouveau à Tarbes.